Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais avec une nouvelle recette. Franchement, je ne vais pas me casser la tête, c'est vite fait. Je vais faire des nouilles sautées aux crevettes. Voilà, pour la recette, vous aurez des nouilles. Voilà, des nouilles. Et pour, je ne me suis pas cassé la tête, de légumes. Il y a des carottes, du soja, des oignons, du poivron. C'est un mélange de légumes. Voilà, c'est de la marque Suzy One que vous trouverez partout dans les magasins. Voilà, j'ai un peu d'ail, de la sauce soja et de la sauce soja aussi avec des graines de sésame. Voilà, elle est très délicieuse. Elle est un peu sucrée, elle est très bonne. Et j'ai des crevettes, de langoustine et un homard. Voilà, là est mon café d'après-midi. Voilà les ingrédients. On passe à la préparation. Je commence par nettoyer mes crevettes. Je vais décortiquer toutes les crevettes. Et le homard, je vais le mettre à bouillir. Après, vous n'êtes pas obligé de faire avec du homard ou de la langoustine. Vous pouvez même faire seulement aux légumes, hein, pas obligé de mettre des crevettes ou quoi que ce soit d'autre. Comme j'avais des crevettes et voilà, donc je les fais avec. Donc voilà, je commence à décortiquer les crevettes et je reviens vers vous. Voilà, les crevettes sont prêtes, lavées et nettoyées. On les réserve de côté et on passe à la cuisson du homard. Voilà, on prend une marmite, on met notre homard à l'intérieur et on va rajouter de l'eau. On va le recouvrir d'eau avec un peu de sel. Et on va le laisser cuire. Voilà. Et maintenant, on continue notre recette. Maintenant, vous prenez une poêle, vous mettez un morceau de beurre dedans et vous faites revenir vos légumes. Vous mettez 3 gousses d'ail et vos légumes. Et faites revenir. Voilà. Ensuite, on rajoute nos crevettes. Et on rajoute les crevettes. Une crevette et langoustine, je fais bien sauter les légumes et les langoustines. Un peu de sel, un peu de poivre. Et là, on rajoute de la sauce soja et sel au sésame. Voilà. Voilà, le homard est cuit. On va le retirer et on va faire plonger les nouilles dans l'eau du homard pour garder comme il a lâché tout son goût. On va pas jeter l'eau, c'est dommage. On va garder l'eau et on va jeter les nouilles à l'intérieur. Voilà, et maintenant on met les nouilles dans l'eau bouillante. Voilà. On va laisser bouillir quelques minutes. Pas trop longtemps. Ensuite, on va les plonger dans le wok avec tous les ingrédients. Pour faire sauter les nouilles à l'intérieur. Voilà. Voilà, on les fait bouillir vraiment pas plus de 4-5 minutes. Vraiment pas plus. Comme on dit, tezel ghalwa bark. Tezel ghalwa, ou à peine ça commence à bouillir, on éteint. On retire les nouilles de l'eau. Voilà, hay hazet el ghalwa. Hay hazet el ghalwa, donc on va les retirer. Et on les plonge directement dans la poêle. Et on les fait sauter. Et voilà. Et voilà, j'ai tout mis dans la poêle. Maintenant, je vais faire revenir avec les crevettes et les légumes et tout. Et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final et tout présenter dans l'assiette. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Re-coucou tout le monde. Voilà, je vous présente mon assiette dressée de nouilles chinoises sautées aux légumes et aux crevettes. Voilà. Et mon petit homard par-dessus.
les langoustines, le homard et les crevettes. Et les petits légumes, poivrons rouges, comme on avait dit, poivrons verts, oignons, soja et un peu d'ail. Voilà, j'espère que la recette, elle vous a plu. Merci de liker, de partager. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao, ciao! Something in his eyes, he's keeping secrets. I don't know about you, about you, about you, 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 you. Something in his eyes, he's keeping secrets. So. Oh.